Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du dev feedback totalement éclaté, un perroquet super généreux et une tombola de voleurs en plus de KVK, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à courir, venez cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos. Ça vous mènera sur le Discord de la chaîne. On est en train de tout éclater sur ce Discord. Vous y retrouvez toutes les infos de tous les KVK, de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne et bien plus encore. Les amis, donc, comme promis, on va commencer par ce petit mail de Dev Feedback. Il est tellement beau que je l'ai mis en favori, c'est le dev feedback du festival anniversaire. Non, il n'est pas en favori, là il est ici. Voilà, entretien avec les développeurs anniversaire. Et regardez, alors ce dev feedback, il est magnifique. 4 ans se sont écoulés depuis le lancement de Rock, et au cours de ces 4 ans, nous avons lancé le jeu dans de nombreux pays et d'innombrables gouverneurs ont rejoint notre univers, blablabla, du premier royaume, blablabla. Au cours des 4 années, nous avons. Et là, la tournure est intéressante. Au cours des 4 années, nous avons travaillé sans relâche pour améliorer, étoffer Rock, etc. Vous voyez, ils utilisent une tournure passée. Alors, je pense que c'est un problème de traduction, hein. Mais si on s'en fie à la tournure de la phrase, on pourrait dire que maintenant, ils vont lever le pied. Heureusement, il est écrit par la suite qu'ils ont travaillé à une multitude de contenus et qu'il ne faut pas les manquer. Nous continuerons à travailler dur pour vous apporter la meilleure expérience de jeu possible. Mais moi, quand je vois cette tournure de phrase, hein, passée malgré celle-là où ils disent qu'ils vont continuer, je me dis, est-ce que nos amis japonais, qui dans leur dev feedback émettaient un grand nombre de doutes sur l'application des équipes de dev de Rock, on regarde des nouveaux projets qui arrivent et qui viennent de sortir également, est-ce que Lilith, comme Call of Dragons par exemple, est-ce que Lilith va garder tous ses devs aussi impliqués sur Rock? Alors j'aurais tendance à dire oui. Puisque Rock, c'est quand même le vaisseau amiral de Lilith, hein, c'est l'appli qui leur apporte le plus de cash. Lilith devrait probablement, hein, faire cette année près de 2022, près, si ce n'est plus, de 2 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est colossal, hein, ça doit en faire le quatrième ou cinquième studio de dev, si ce n'est peut-être le troisième studio de dev chinois derrière, si je dis pas de bêtises de mémoire, Tencent numéro 1, NetEase numéro 2, donc autant dire qu'on est sur des méga studios, si NetEase est bien chinois. Bref, à vérifier tout ça, je vous ferai une vidéo sur le sujet de toute façon en fin d'année, comme d'habitude, sur le chiffre d'affaires. Et ils nous donnent, quand même très généreux, hein, et ils disent, hein, c'est pour tout le monde qu'on vienne de commencer ou pas, hein, 3 sculptures en or, 3 étoiles, 5 clés de cristal et 3 fois 15 heures d'accélérateur. Là, pour le coup, c'est pas très généreux, mais c'est bien généreux. C'est mieux que pendant les patchs. C'est très bien. Même si certains vont dire, ouais, pour 4 ans, l'anniversaire, ils auraient pu lâcher 5 sculptures, 10 sculptures, oui, 200 sculptures, mais ils veulent faire du cash aussi. Et en même temps, donc, on a les events qui viennent de tomber. Je vous en ai déjà montré certains, d'autres non. Et on a le Cirque des Merveilles. Alors, le Cirque des Merveilles, celui-là, il est quand même énorme, puisque pour ceux qui ont raté cette info, Lilith nous offre en même temps quelque chose de sympa et en même temps nous met une bonne carotte. Regardez, si vous cliquez comme des oufs sur le perroquet va vous lâcher. Vous voyez, j'ai cliqué comme un malade. Il m'a lâché 150 gemmes, le petit perroquet. Donc c'est toujours bon à prendre. On vérifie. Certains ont dit 200. Ah, c'est même 200 gemmes qui me lâchent. J'allais dire non, c'est 150. Non, il m'a bien lâché mes 200 petites gemmes, le perroquet. Je les prends. C'est toujours ça de prix. Mais. Alors pourquoi il y a une carotte en même temps? Parce que pour participer à cette tombola, tout le monde pensait qu'on allait pouvoir prendre un ticket ou avoir un event ou avoir quelque chose. Eh bien non, pas du tout. Pour participer à cette tombola, il faut aller dans les bundles où vous avez un lien directement et vous achetez un ticket Nuit de la Magie, hein, un petit ticket à 1,99€ sur iPad. Je ne sais pas si c'est le même prix sur Android ou sur Huawei. Et regardez, on a un ticket du Cirque des Merveilles. Ça me rappelle quasiment le même système
que pour la Ligue Osiris où on peut acheter des jetons pour parier sur le finaliste. On met un jeton et on a des bundles pour en avoir. Mais on en a quand même 2, 3, 4, 8, 10 gratuits régulièrement des jetons. Là, il n'y en a aucun de gratuit pour Cycle des Merveilles. Et c'est direct une carotte. Hein. J'ai relu les règles. Mais regardez, il y a quand même 81 000 personnes qui ont déjà payer ces tickets, ça fait, si on prend la somme de 2 euros, rien que sur cet event, ils ont déjà encaissé plus de 150 000 balles, tranquille, sachant que les stores prennent de l'ordre de 30 points, donc on va dire 120 000 balles, juste sur la vente de ce bundle, juste sur le premier tour. C'est plutôt tranquille hein, pour juste, encore une fois, un bundle et qui montre que le jeu se porte bien. Et qu'il y a des joueurs qui sont prêts à payer. Moi-même, vous le voyez, hein, j'ai fait mon bon pigeon. J'ai bien payé mon ticket à 2 balles. Évidemment, c'est une carotte, mais je me devais de tester. On va voir si le prix, puisque plus on va monter hein, dans les tours, et si je dis pas de bêtises, regardez, souvenir numéro 1, souvenir numéro 2, 3, 4, 5. Est-ce que le prix du ticket ne va pas monter? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec un souvenir de la finale avec un ticket à 10 balles par exemple? Là, ça serait magnifique si vous payez 10 balles. Si on paye 10 balles et qu'on n'obtient rien, ça serait la carotte du siècle. On continue au niveau des events, les amis, puisque on va avoir, et là je vous donne une petite news, on a le grand tournoi qui va commencer. C'est pas ça la news, hein, vous le savez. Sur le site, on se retrouve sur le site du grand tournoi. Si vous avez raté, on va avoir une diffusion en direct. On a aussi les 16 équipes sélectionnées et on a le calendrier et on voit que les Overlords vont rencontrer s'ils gagnent, les JST s'ils gagnent eux aussi tout de suite en quart de finale. On va se retrouver avec un 1v face s'ils gagnent encore une fois face au Japan All-Star ou au Nighty Ducks. De l'autre côté, on a les 960 GT. Alors 960 GT, ils sont là, ils sont en haut. Non, je vous montre avec le curseur. Voilà, ils sont ici. Ils sont en haut à droite, si je dis pas de bêtises. Donc ils se retrouveront qu'en finale. Mais ils pourraient rencontrer hein, le 1254. Et on aura un choc des frères ennemis, le 1846 et 1855, hein, contre le 1254. Si chacun des deux venait à gagner. Bref, un gros, gros match, un gros, gros tournoi avec donc une diffusion en direct et c'est là que l'info arrive. Normalement, les amis, nous avons, si je dis pas de bêtises, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'au total, il y a 15 matchs, sauf si je suis complètement éclaté. Eh bien, sur ces 15 matchs, je vais normalement vous commenter quasi l'intégralité de ces matchs hein, en stream directement, en diffusion en direct sur la chaîne de Lilith et pour Lilith. Donc, si vous cliquez dans le jeu et que vous mettez directement version française pour les commentaires, vous m'aurez en direct pour ces matchs. C'est en cours de finalisation tout ça, mais tout est réglé. On est sur les détails techniques à présent. Allez, on retourne in-game. On reparlera dans la semaine du Grand Prix anniversaire. On va en reparler forcément puisque ça commence dès vendredi. Premier match vendredi 16 à 14h heure française. Donc, je vous attends nombreux pour ce stream. Et on va passer à présent à la news, la petite news people de notre ami Goodfather. Qu'est-il arrivé à son compte qui était en vente? Je vous le rappelle, si vous avez raté la vidéo, c'était une vidéo de la semaine dernière qui était en vente pour la modique somme de, accrochez-vous bien, 50 000 dollars. Les mecs étaient détente, 50 000 dollars plus fee. L'un d'entre vous m'a expliqué en commentaire d'ailleurs ce que c'était les fees. Merci à lui, hein. Les fees, c'est très simple, c'est les intermédiaires qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque. Hein. Eh bien, notre ami Goodfather a migré, il est parti sur le 1245, si je dis pas de bêtises, et je crois, alors si je suis bien à jour, qu'il a migré chez les Gas. Alors, regardons les membres d'Alliance. Il doit être quelque part dans le coin avec ses 250 et quelques milliards. Est-ce qu'il est quelque part? Ils ne l'ont pas mis dans les R4, mais il se retrouve en tout cas. Je l'ai vu et il a bien, voilà, Goodfather, il est ici. Vous le voyez, c'est bien lui et ses 35 milliards de points de meurtre. Hein. Donc, une nouvelle fois, Goodfather migre après avoir vendu ou pas son compte. Est-ce que c'est lui? Non, je sais pas lui encore une fois, c'est pas le Goodfather d'origine, mais ce compte-là navigue. Pourquoi Lilith ne le bannit
Tout simplement pas. Ça réglerait définitivement toutes ces histoires. On continue donc en parlant des autres royaumes, les amis, et on va s'intéresser à deux KVK. Un qu'on peut regarder et un qu'on ne peut pas suivre parce qu'il y a encore la brume. Donc on va commencer par celui-là, le 1556. Les portes se sont ouvertes. Gros combat actuellement et le 1556 se livre à un Rise of Fortress. Ça met pas mal de forteresses. 19 jours dans 6 jours. Donc dès le début de semaine prochaine, on pourra aller voir ça. Et même normalement ce week-end, donc dans une semaine. Normalement, je vous ferai des vidéos et on verra la situation. On aura les ouvertures de portes et on suivra les ouvertures en Kingsland, en Terre du Roi, bien évidemment. Deuxième KVK, les amis, il y a celui également du 1306 et il y en a même un troisième. Le 1306 qui est sur le KVK du 1254. 1254 qui fait une grosse prestation. 1254 de Chizgul. 1254, bien évidemment, de Bunny. Et regardez, évidemment, ils sont ultra favoris. Hein, ils sont en haut à droite, hein, nos amis du 1254. Et regardez, ça sort dans tous les sens. Ça a bloqué les adversaires. Les livres sont passés, les livres sont sortis et en face d'eux, ils ont évidemment les pics ont fait une bonne performance, ils se sont qualifiés durant la Ligue Osiris, hein, mais ils vont être totalement bloqués et là, ils vont prendre tellement cher, nos amis les pics, je vais, et voyez, hein, à toute heure, il y a du monde, je vais vous montrer, est-ce que ça brûle de l'autre côté, est-ce que ça brûle ici? Non, ça ne brûle pas pour le moment, je vais vous montrer un petit rapport, peut-être le plus impressionnant qui a eu lieu durant l'ouverture de ces portes. Regardez ce rapport, il est tout bonnement énormissime. Du côté des RIP face au TR3, les RIP tiennent la porte. Les TR3, bien évidemment, donc c'est vraiment sur cette porte-là, celle des RIP face au TR3. Les mecs donnent tout. Regardez donc pour le défenseur, moins 278,3 millions. Pour l'attaquant, moins 285,3 millions. Autant dire l'équilibre. Alors vous le voyez, hein, en défense, hein, on est sur du taquet d'Arien. Évidemment, c'est un bug. Si je dis pas de bêtises, d'après mes infos, on était en défense sur de l'Edwige avec YSS. Hein. Face à eux en attaque, on avait Xianyu, le roi du chocolat, le boss avec Nevsky. Hein. Au niveau du nombre de morts, bah, c'est pratiquement équivalent à hein. 22 millions d'un côté, presque 23, 21 millions pratiquement tout rond de l'autre. Les blessés sévères, c'est pareil, blessés grièvement. Les blessés légers, un petit peu plus élevés, bien évidemment, du côté des RIP. Mais ils tiennent bien et regardez cette activité. Hein. Je vous mettais en dézoom. Elle est tout bonnement et énormissime à la hauteur de ce rapport. Franchement, ce rapport, il est ultra violent. On n'en voit pas souvent hein, des aussi gros. Mais quand on voit pratiquement 50 millions de morts juste sur cette porte-là, et je vous montre qu'un rapport, hein, c'est le plus gros, mais il y en a d'autres à 100 millions. Et ça tient toujours, ça ne brûle pas. Il y a juste un flag qui brûle là, mais c'est tout. Les mecs sont encore là. Franchement, c'est la guerre. Et pour ceux qui suivent ce KVK, on a une activité H24 7-7 actuellement sur le 254. Le 1254 est énorme, donc il est très présent sur cette porte-là, mais il n'a pas encore réussi à passer. De l'autre côté, sur cette porte-là, c'est une autre histoire, puisque c'est la forteresse qui est passée là, qui est en train de brûler. Ils ont réussi à poser, mais ça brûle. Hein. Ça brûle, ils étaient sortis. Ils n'ont pas encore bloqué la porte, nos amis du 1254. Et si on regarde, on ne peut pas aller voir de l'autre côté. Si on peut descendre de l'autre côté, mais ils ne pourront pas faire de jump pour aller chercher. Ils sont avec des alliés sur toute cette zone-là. Donc ils sont détente sur la zone du sud. Pareil, hein, ils sont avec des alliés. C'est là que ça va être plus difficile pour eux, puisqu'on est en, normalement, si je dis pas de bêtises, on est en 3 versus 5. Vous le voyez, ils sont tellement détentes hein, qu'ils n'ont même pas encore passé toutes les portes. Hein, et c'est donc vraiment, il n'y a qu'un seul front au final, hein, puisque de ce côté-là, ils sont passés. Je vérifie aussi
Mais il n'y a pas vraiment de fight. Hein. Ils sont passés sans combattre. Hein. Tac, je vérifie hein, toutes les portes au cas où. Donc on a vraiment qu'un seul gros front si vous voulez suivre ce C1 1503. Et il se situe vraiment entre les pics, les rips, le HM34 et toutes les alliances du 1254. Regardons ce que donne cette coalition au passage. La coalition ici, c'est 12 milliards et 2 milliards. Donc on est sur une toute petite sub. Et regardons celle des RIP qui est avec les pics, si je dis pas de bêtises. Tac, la coalition RIP, pic, 13 milliards, 12 milliards, 5 milliards, 2 milliards. Ils tiennent bien les mecs hein, pour voir le petit niveau qu'ils ont parce qu'ils sont pas sur les plus grosses coalitions. Si on regarde en face, hein, 15 milliards, 13 milliards, 12 milliards, 5 milliards, ça brûle déjà bien plus. Ils ont presque, allez, presque 15 milliards de plus. C'est quand même énormissime ce KVK. Je vous invite à le suivre. Je vous dirai ce qui va se passer. Même si là, pour le coup, hein, il est très probable que le 1254, voyez, on n'a même pas pris en compte encore les livres qui ne plaisantent pas non plus. Hein, avec 9 milliards 100, ils ont bien perdu. On n'a même pas encore pris en compte toutes les alliances du 1254. Un royaume énorme. Il va normalement gagner ce KVK, mais on suivra tout ça. On va finir, les amis, avec la Ligue Osiris. La Ligue Osiris, bah, évidemment, je suis éliminé de la Ligue Osiris, malheureusement, mais on a quand même eu tous les matchs ce week-end, on y va, et on se retrouve avec des chocs intéressants, notamment sur ma division 1, les 1v sont passés, et les 1v vont affronter les MG. Après ce combat, qui a lieu normalement le 18, donc dimanche qui vient, on aura ce combat, ce match-là de toutes les divisions, on va avoir 15 jours de break, et d'ailleurs ça tombe bien avec l'anniversaire et le grand tournoi, et on va enfin récupérer, les amis, les paris. On va pouvoir parier de nouveau sur toutes les divisions. Et donc espérer se blinder. Alors ce ne sera pas ce store-là puisque les stores des paris ne sont pas encore. Est-ce qu'on va avoir un store spécial pour cumuler en même temps l'anniversaire? Je ne pense pas. On m'a posé cette question dans les commentaires et sur le Discord. Mais je ne pense pas qu'on aura de store spécifique plutôt lié à l'anniversaire. On aura juste ça. Je finis donc avec l'anniversaire et le grand tournoi. N'oubliez pas de paris. Ça commence direct en 8e. Suivez bien le calendrier. Si je clique dessus, hein, hop, il me renvoie sur le site. On l'a déjà vu tout ça. Donc, n'oubliez pas, on va se retrouver dès vendredi 14h pour les matchs en live. Donc, on enchaînera vendredi 14h un match, 16h un match, 18h un match et 20h un match. Pareil, il y aura des matchs le samedi. Et puis après, ça sera le vendredi d'après, le samedi. Et ça se finira de nouveau un vendredi. Normalement, c'est le planning initial qui est fixé. Regardez, 16, 17, puis le 23, puis le 25. Ah non, c'est puis vendredi, puis dimanche. Et ça se refinit un vendredi. On sera bien et parfait. Je vais vous commenter pratiquement tous les matchs. Alors, je dis pratiquement parce qu'on a deux que je ne vous commenterai pas normalement, hein, faute de timing, un mauvais timing pour ces deux matchs-là. Mais pour tout le reste, ça sera plié. On finit, les amis, avec une petite ouverture des familles, puisque j'ai de nouveau 57 clés. Et on va voir la théorie de l'ouvrage, ou l'ouverture plutôt que l'ouvrage, l'ouverture unique versus l'ouverture multiple. On commence, on va se faire 7 petites clés en ouverture unique. 1, on va voir si j'arrive à avoir de la chance. 2, pour l'instant 0. 3, on est à 10. 10 pour 3. Bon, effectivement, là, ça va être plié. Hein. 4. 5, hop, on ne reste qu'à 10. 6 et 7. Alors, 10 pour 7, c'est un excellent ratio. Ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire 10 parce que là, je ne veux pas rester là-dessus. 7, 1, 2, bon, comme ça, on va remonter à 17 et on sera à 17 pour 10 et là, sera plus éclaté. Au moins, ça ne vous laissera pas penser. Vous verrez que c'était bien de la chance. Hop là, donc Mathilde, elle est éclatée, on s'en fout. 3, donc ça fait 10 pour 15. Et on finit avec la dernière. Et après, je vais faire une ouverture multiple. Donc voilà, donc vous le voyez, hein, on est à un ratio de 10 pour 17 clés, ce qui n'a rien d'extraordinaire. On ouvre les 40, on va voir, sachant que j'ai eu aucune récolte, c'était mieux. Je retrouve avec toutes mes 6 où j'en ai 10. Et pour 40, regardez, j'en ai eu que 14. Donc 2 de farm. Donc là, le tirage est totalement éclaté. Pas beaucoup plus de chance, hein, à l'unité. Donc c'est vraiment
totalement aléatoire. Ne pensez pas qu'en ouvrant une par une, donc vous prenez pas la tête si vous avez 200, 300, 400 clés à tout faire une par une. Encore une fois, il n'y a aucun gain à faire cela. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo en ce lundi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.